Bonjour à toutes et à tous. Je vous raconte aujourd'hui trois contes extraits des Contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam, parus en 1883. Jean-Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l'Isle-Adam, 1838-1889, écrivain d'origine bretonne, né à Saint-Brieuc. Romantique, catholique, royaliste, révolté, idéaliste, poète, lyrique, tragique, celtique, mystique, baroque. Un génie, témoigne son ami Stéphane Mallarmé qui, à propos de cette œuvre, écrit « Tu as mis en cette œuvre une somme de beauté extraordinaire, la langue vraiment d'un dieu partout. Plusieurs des nouvelles sont d'une poésie inouïe, et que personne n'attendra, toutes étonnantes. » Le bourgeois est l'ennemi désigné par Villiers de l'Isle-Adam dans sa correspondance avec Mallarmé. « Le fait, écrit-il, est que je ferai du bourgeois, si Dieu me prête vie, ce que Voltaire a fait des cléricaux, Rousseau des gentilshommes et Molière des médecins. » Après Véra, un conte du même auteur, extrait également des contes cruels que je vous ai proposés dans un programme du 10 octobre 2022, je vous propose aujourd'hui successivement l'analyse chimique du dernier soupir, Vox Populi et Fleurs de ténèbres parus en 1883. Vous pourrez ainsi constater que ces contes n'ont pas pris une ride et que l'on peut tout à fait les adapter à notre société contemporaine. L'appareil pour l'analyse chimique du dernier soupir. C'en est fait. Nos victoires sur la nature ne se comptent plus. Hosanna, plus même le temps d'y penser. Quel triomphe! À quoi bon penser, en effet? Et de quel droit? Et puis, penser, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Mot que tout cela. Découvrons à la hâte, inventons, oublions, retrouvons, recommençons et passons, ventre à terre. Bah, le néant saura bien reconnaître les siens. Oh, magie! Voici qu'enfin les plus subtils instruments de la science deviennent des jouets entre les mains des enfants. Témoin, le délicieux appareil du professeur Schneitzoeffer Jr. de Nuremberg, Bayern, pour l'analyse chimique du dernier soupir. Prix, un double thaler, soit 7,95 francs avec la boîte. Un don! À franchir, succursales à Paris, à Rome et dans toutes les capitales. Le port en sus, éviter les contrefaçons. Grâce à cet appareil, les enfants pourront, dorénavant, regretter leurs parents sans douleur. Ah ! Le bien-être physique avant tout. Dût-il ressembler à la description que le moraliste nous donne de l'intérieur du couvent dans Justine, où la vertu récompensée? C'est à se demander, en un mot, si l'âge d'or ne revient pas. Un pareil instrument trouve, tout naturellement, sa place parmi les étrennes utiles à propager dans les familles, à ce double titre, la joie des enfants et la tranquillité des parents. L'on peut aussi le glisser dans un œuf de pain, le suspendre aux arbres de Noël, etc. L'illustre inventeur fait une remise aux journaux qui voudront l'offrir en prime à leurs abonnés.
Il se recommande également aux promoteurs de tombola. Les loteries nationales en redemandent. Ce bijou peut être placé à propos sous la serviette d'un aïeul dans un dîner de fête, ou dans un repas de noces, ou dans la corbeille comme présent à la belle-mère, ou même offert tout bonnement, de la main à la main, aux progénitures de ses vieux amis de la province, lorsqu'on désire causer à ceux-ci, ce qui s'appelle une charmante surprise. Figurons-nous, en effet, l'heure de la sieste du soir dans une petite ville. Les mères de famille, ayant fait leurs emplettes, sont rentrées chacune chez soi. L'on a dîné. La famille a passé au salon. C'est l'une de ces veillées sans visite où, rassemblés autour de l'âtre, les parents somnolent un peu. La lampe est baissée et l'abat-jour adoucit encore sa lumière. Les mèches des bonnets de soie noire dépassent, inclinées, les oreillards des fauteuils. Le loto, parfois si tragique, est suspendu. Le jeu de loi lui-même est relégué dans le grand tiroir. La gazette gît au pied des dormeurs. Le vieil invité, disciple, tout bas, de Voltaire, digère paisiblement, plongé dans quelques moelleux crapauds. On n'entend que l'aiguille égale de la jeune fille piquant sa broderie auprès de la table et scandant ainsi la paisible respiration des auteurs de la sienne, le tout mesuré sur le tic-tac de la pendule. Bref, l'honnête salon bourgeois respire la quiétude bien acquise. Doux tableau de la famille. Le progrès, loin de vous exclure, vous rajeunit, comme un habile tapissier rénove des meubles d'antan. Mais ne nous attendrissons pas. À quoi vont s'amuser, alors, les enfants, au lieu de faire du bruit et de réveiller les parents en courroux, avec leurs anciens jouets, si tapageurs? Regardez, les voici qui viennent, sur la pointe des pieds. On tiptoe en comprimant les frais éclats de leurs fous rires inextinguibles. Chut! Ils approchent, innocemment. De la bouche de leurs ascendants, le petit appareil du professeur Schneitzoeffer Junior, en France on prononce Bertrand pour aller plus vite. C'est là le jeu. Pauvre petit, il s'exerce. Il prélude à ce moment, hélas, auquel il devrait être si normal de s'habituer de bonheur, où ils feront la chose pour de vrai. Ils usent ainsi, par une sorte de gymnastique morale, le trop poignant du chagrin futur qu'ils éprouveraient de la perte de leurs proches. N'était-ce cette factice accoutumance? Ils en émoussent à l'avance le crève-cœur final. L'ingénieux du procédé consiste à recueillir, dans cet alambic de luxe, bon nombre d'avant-derniers souffles pendant le sommeil de la vie, pour pouvoir, un jour, en comparant les précipités, reconnaître en quoi s'en différencie le premier du sommeil de la mort. Cet amusement n'est donc, au fond, qu'un fortifiant préventif qui dépure, d'ores et déjà, de toute prédisposition aux émotions trop douloureuses, les tempéraments si tendres de nos benjamins. Elle les familiarise artificiellement avec les angoisses du jour de deuil qui, alors, ne seront plus que connues, ressassées et insignifiantes. Et comme,
Au réveil, on embrasse toutes ces chères têtes blondes. Avec quelle douce mélancolie ne presse-t-on pas contre son cœur ces gais espiègles? Pourrions-nous, sans forfaire à notre mandat de philosophe, résister au devoir de le redire, fût-ce à contre-cœur? C'est un joyau scientifique, indispensable dans tout salon de bonne compagnie, et les services qu'il peut rendre à la société proprement dite et au progrès prescrivent à tous égards l'obligation de le préconiser avec feu. On ne saurait trop inculquer aux jeunes âges, et bientôt même au bas âge, le goût de ce délassement hygiénique. L'appareil Schneitzoeffer Junior, le seul dont l'usage donne du ton aux nerfs des enfants trop aimants, est appelé à devenir, pour ainsi dire, le vade-mecum du collégien en vacances qui en étudiera l'application, l'aimable mutin entre celle de deux verbes pronominaux ou déponents. Ses maîtres lui indiqueront cela comme devoir à faire. À la rentrée, le joujou, ce sera pour mettre dans son pupitre. Heureux siècle! Au lit de mort, maintenant, quelle consolation pour les parents de songer que ces doux êtres trop aimés ne perdront plus leur temps, le temps qui est de l'argent, en flux inutiles, des glandes lacrymales et en ces gestes saugrenus qu'entraînent presque toujours les décès inopinés. Que d'inconvénients évités par l'emploi quotidien de ce préservatif. Une fois le pli bien pris, les héritiers, ayant acquis l'indifférence éclairée, sympathique, attristée, convenable enfin, devant le trépas des leurs, en ayant, disons-nous, dilué la désolation de longues mains, n'auront plus à redouter les conséquences du trouble et de l'ahurissement où la soudaineté des apprêts lugubres plongeait parfois les ancêtres. Ils seront vaccinés contre ce désespoir. Une ère nouvelle va s'inaugurer positivement à cet égard. Les obsèques se feront sans trouble et, pour ainsi dire, à la diable. Notre devise doit être en toutes circonstances « Ne l'oublions jamais. » Celle-ci, « Du calme, du calme, du calme. » Ainsi, les intérêts, négligés pendant les premiers jours, l'effarement et le désarroi du moment dont ne profite que la rapacité proverbiale des fossoyeurs, quel noir tracassier, les testaments rédigés à la hâte, et, comme on dit, de briques et de brocs, holographes incompréhensibles sur lesquels s'abat la volée de corbeaux des hommes de loi, au grand préjudice des collatéraux, devenus inconsolables, les suprêmes instructions dictées à l'étourdi par les moribonds, l'incurie de la maison mortuaire, les dilapidations des serviteurs, que de détriments peut conjurer l'usage journalier de l'appareil Schneitzoeffer Junior. On escoffira les cadavres le plus vivement possible, et l'on ne s'apercevra même pas, dans la maison, que vous avez disparu. Tout continuera, sur l'heure même, son train-train raisonnable. Les arts vont s'en ressentir. Grâce à lui, dans quelques 10 ans, le tableau de la file du Tintoret ne sera plus remarquable que comme coloration,
et les marches funèbres de Beethoven et de Chopin ne se comprendront plus que comme musique de danse. Oh, nous n'ignorons pas contre quel préjudice doit lutter Schneitzerfer, mais nous sommes, oui ou non, dans un siècle pratique, positif et de lumière. Oui, eh bien, soyons de notre siècle. Il faut être de son siècle. Qui est-ce qui veut souffrir aujourd'hui, en réalité? Personne. Donc, plus de fausses pudeurs, ni de sensiblerie de mauvais aloi. Plus de sentimentalité stérile, dommageable, le plus souvent exagérée, et dont nous ne sommes plus dupes aux coups de chapeau convenus devant les corbillards. Au nom de la terre, un peu de bon sens et de sérénité, quelques grands airs que nous prenions. Étions-nous visibles au microscope solaire il y a quelques années? Non. Donc, ne condamnons pas trop vite ce qui nous choque, faute d'habitude et de réflexion suffisante. Courage, libre penseur. Mettons à la mode la dignité souriante de la douleur filiale en l'émondant à l'avance de ces côtés écervelés qui frisent parfois le grotesque. Disons plus, la pieuse prostration de l'enfant qui a perdu sa vieille mère, par exemple, n'est-elle pas, de nos jours, un luxe que les indigents, harcelés par une tâche obligatoire, ne peuvent se permettre? Le loisir de cette songerie morbide n'est donc pas de première nécessité. L'on peut, enfin, s'en passer. Les gémissements des personnes aisées sont-ils autre chose qu'un gaspillage du temps social compensé par le travail des classes laborieuses qui, moins favorisés de dames fortune, renforcent les leurs. Le rentier ne larmoie sur ses défauts qu'aux frais des besogneux. Il se fait offrir implicitement le coût social de cette prérogative, les pleurs par ceux-là même qui n'ont le moyen d'en répandre qu'à la dérobée. Nous appartenons tous, aujourd'hui, à la grande famille humaine. C'est démontré. Dès lors, pourquoi regretter celui-ci plutôt que celui-là? Concluons. Puisque tout s'oublie, ne vaut-il pas mieux s'habituer à l'oubli immédiat? Les grimaces les plus affolées, les sanglots, les hoquets les mieux entrecoupés, les ululations et jérémiades les plus désolées ne ressuscitent, hélas, personne. Et fort heureusement, même à la fin, sans quoi ne serions-nous pas bientôt serrés sur la planète comme un banc de harengs? Prolifères comme nous le devenons, ce serait à n'y pas tenir. L'inéluctable prophétie des économistes s'accomplirait à court échéance. Le digne polype humain mourrait de pléthore, et les débouchés intermittents des guerres et des épidémies, une fois reconnus insuffisants, s'assommaient. Réciproquement, à grands coups de sortie de balles, deviendraient indispensables si l'on persistait à vouloir respirer ou circuler sur ce globe. Sur ce globe, où la science nous prouve, par A plus B, que nous ne sommes, après tout, qu'une vermine provisoire. Ceci soit dit pour ces persifleurs, vous savez, pour ces sombres écrivains qu'il faut relire plusieurs fois si l'on veut pénétrer la véritable signification de ce qu'ils disent. Sans douleur, messieurs, sans douleur. Accourez, demandez, faites-vous servir. 7,95 francs avec la boîte. Voyez, mesdames et messieurs, voilà l'objet. L'âme est au fond. Elle doit être au fond.
le tableau que vous apercevez là, sur la devanture, au bout de ma baguette, représente l'illustre professeur au moment où, débarquant sur les bords heureux de la Seine, il est accueilli par Monsieur Thiers, le chat de Perse, et une foule de personnages éclairés. L'instrument est inoffensif, totalement inoffensif, surtout si l'on veut bien prendre la peine de parcourir, non d'un œil hagard et distrait comme celui dont vous m'honorez en ce moment sublime, mais avec attention et maturité, l'instruction qui l'accompagne. Les réactifs employés, révulsifs, toxiques et sternutatoires, étant le secret de l'inventeur, l'administration des brevets nous interdit, malheureusement, de le divulguer. La vie nous en est parvenue hier par les soins du bureau des cocardes. Toutefois, pour rassurer le client de la bourgeoisie, classe à laquelle s'adresse tout spécialement le professeur, nous pouvons révéler que la mixture contenue dans la boule de cristal multicolore, dont se constitue l'appareil en sa forme, est à base de nitroglycérine, et chacun sait que rien n'est plus inoffensif et plus onctueux que la glycérine. On l'emploie journellement pour la toilette. Agitez avant de s'en servir. Hâtez-vous ! Ces bijoux orthopédiques du cœur sont le succès de l'époque. On les enlève par grosses. La manufacture de Nuremberg est surmenée. L'étonnant professeur Schneitzoeffer Junior lui-même est aux abois, ne pouvant plus suffire aux commandes, malgré les obstacles que lui suscite à tout instant le clergé. Trésor des nerfs, calmant gradué, Wedhalla des familles, cet appareil s'impose aux parents sérieux qui, revenus des préjugés du cœur, jugent que si le sentiment est chose à ces moments suaves, pas trop n'en faut lorsqu'on est véritablement un homme. L'humanité, en effet, sous l'antique lumière des astres, ne s'appelle plus, aujourd'hui, que le public et l'homme que l'individu. Nous en prenons à témoin non plus un vague et démodé firmament, mais le système solaire. Mesdames et messieurs, oui, le système solaire, depuis Mercure jusqu'à l'inévitable Zeta Herculis. Vox Populi. Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici 12 ans de subi depuis cette vision. Un soleil d'été brisait ses longues flèches d'or sur les toits et les dômes de la vieille capitale. Des myriades de vitres renvoyaient des éblouissements. Le peuple, baigné d'une poudreuse lumière, encombrait les rues pour voir l'armée. Assis devant la grille du parvis Notre-Dame, sur un haut pliant de bois et les genoux croisés en de noirs haillons, le centenaire mendiant, doyen de la misère de Paris, face de deuil au teint de cendre, peau sillonnée de rides couleur de terre, main jointe sous l'écriteau qui consacrait légalement sa cécité, offrait son aspect d'ombre au tédéum de la fête environnante. Tout ce monde, n'était-ce pas son prochain? Les passants en joie, n'étaient-ce pas ses frères? À coup sûr, espèce humaine,
D'ailleurs, cette hôte du souverain portail n'était pas dénuée de tout bien. L'État lui avait reconnu le droit d'être aveugle. Propriétaire de ce titre et de la respectabilité inhérente à ce lieu des aumônes sûres qu'officiellement il occupait, possédant enfin qualité d'électeur, c'était notre égal, à la lumière près. Et cet homme, sorte d'attardé chez les vivants, articulait de temps à autre une plainte monotone, syllabisation évidente du profond soupir de toute sa vie. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Autour de lui, sous les puissantes vibrations tombées du beffroi, dehors, là-bas, au-delà du mur de ses yeux, des piétinements de cavalerie et, par éclat, des sonneries aux chants, des acclamations mêlées aux salves des invalides, aux cris fiers des commandements, des bruissements d'acier, des tonnerres de tambours scandant des défilés interminables d'infanterie, toute une rumeur de gloire lui arrivait. Son ouïe, suraiguë, percevait jusqu'à des flottements d'étendards aux lourdes franges frôlant les cuirasses. Dans l'entendement du vieux captif de l'obscurité, mille éclairs de sensations, pressenties et indistinctes, s'évoquaient. Une divination l'avertissait de ce qui enfiévrait les cœurs et les pensées dans la ville. Et le peuple, fasciné comme toujours par le prestige qui sort pour lui des coups d'audace et de fortune, proférait en clameur ce vœu du moment. « Vive l'empereur !» Mais entre les accalmies de toutes ces triomphales tempêtes, une voix perdue s'élevait du côté de la grille mystique. Le vieil homme, la nuque renversée contre le pilori de ses barreaux, roulant ses prunelles mortes vers le ciel, oublié de ce peuple dont il semblait seul exprimer le vœu véritable, le vœu caché sous les hurrahs, le vœu secret et personnel, psalmodiait, augural intercesseur, sa phrase maintenant mystérieuse. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Grande revue aux Champs-Élysées, ce jour-là. Voici 10 ans d'envolée depuis le soleil de cette fête. Même bruit, même voix, même fumée. Une sourdine, toutefois, tempérait alors le tumulte de l'allégresse publique. Une ombre aggravait les regards. Les salves convenues de la plateforme du Prytané se compliquaient, cette fois, du grondement éloigné des batteries de nos forts, et, tendant l'oreille, le peuple cherchait à discerner déjà dans l'écho la réponse des pièces ennemies qui s'approchaient. Le gouverneur passait, adressant à tous mains sourires et guidé par l'amble trotteur de son fin cheval. Le peuple, rassuré par cette confiance que lui inspire toujours une tenue irréprochable, alternait de chants patriotiques les applaudissements tout militaires dont il honorait la présence de ce soldat. Mais les syllabes de l'ancien vivat furieux s'étaient modifiées. Le peuple éperdu proférait ce vœu du moment. « Vive la République !» Et là-bas, du côté du seuil sublime, on distinguait toujours la voix solitaire de Lazare, le diseur de l'arrière-pensée populaire
ne modifiait pas, lui, la rigidité de sa fixe plainte. Âme sincère de la fête, levant au ciel ses yeux éteints, il s'écriait, entre des silences et avec l'accent d'une constatation, « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici 9 ans de supporter depuis ce soleil trouble. Oh, même rumeur, même fracas d'armes, même hennissement. Plus assourdis encore, toutefois, que l'année précédente. Criard, pourtant. Vive la Commune ! Clamait le peuple au vent qui passe. Et la voix du séculaire élu de l'infortune redisait, toujours, là-bas, au seuil sacré, son refrain rectificateur de l'unique pensée de ce peuple. Hochant la tête vers le ciel, il gémissait dans l'ombre. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Et 2 lunes plus tard, alors qu'aux dernières vibrations du Toscan, le généralissime des forces régulières de la TA passait en revue ses 200 000 fusils, hélas, encore fumant de la triste guerre civile, le peuple, terrifié, criait en regardant brûler au loin les édifices. « Vive le maréchal !» Là-bas, du côté de la salubre enceinte, l'immuable voix, la voix du vétéran de l'humaine misère, répétait sa machinalement douloureuse et impitoyable obsécration. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Et depuis, d'année en année, de revues en revues, de vociférations en vociférations, quel que fût le nom jeté au hasard de l'espace par le peuple en ses vivates, ceux qui écoutent attentivement les bruits de la terre ont toujours distingué, au plus fort des révolutionnaires clameurs et des fêtes belliqueuses qui s'ensuivent, la voix lointaine, la voix vraie, l'intime voix du symbolique mendiant terrible, du veilleur de nuit criant l'heure exacte du peuple, de l'incorruptible fractionnaire de la conscience des citoyens, de celui qui restitue intégralement la prière occulte de la foule et en résume le soupir. Pontife inflexible de la fraternité, ce titulaire autorisé de la cécité physique n'a jamais cessé d'implorer, en médiateur inconscient, la charité divine pour ses frères de l'intelligence. Et lorsqu'enivré de fanfares, de cloches et d'artillerie, le peuple, troublé par ses vacarmes flatteurs, essayant vain de se masquer à lui-même son vœu véritable, sous n'importe quelle syllabe mensongère enthousiaste, le mendiant, lui, la face au ciel, les bras levés, à tâtons, dans ces grandes ténèbres, se dresse au seuil éternel de l'Église. Et, d'une voix de plus en plus lamentable, mais qui semble porter au-delà des étoiles, continue de crier sa rectification de prophète. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît.
fleur de ténèbres. Ô belle soirée, devant les étincelants cafés des boulevards, sur les terrasses des glaciers en renom, que de femmes en toilette voyantes, que d'élégants flâneurs se prélassent. Voici les petites vendeuses de fleurs qui circulent avec leurs corbeilles. Les belles désœuvrées acceptent ces fleurs qui passent, toutes cueillies, mystérieuses. Mystérieuses ? Oui, s'il en fut. Il existe, sachez-le, souriante liseuse, il existe, à Paris même, certaines agences sombres qui s'entendent avec plusieurs conducteurs d'enterrements luxueux, avec des fossoyeurs même, à cette fin de desservir les défunts du matin, en ne laissant pas inutilement s'étioler sur les sépultures fraîches tous ces splendides bouquets, toutes ces couronnes, toutes ces roses dont, par centaines, la piété filiale ou conjugale surcharge quotidiennement les catafalques. Ces fleurs sont presque toujours oubliées avec les ténébreuses cérémonies. L'on n'y songe plus, l'on est pressé de s'en revenir. Cela se conçoit. C'est alors que nos aimables croque-morts s'en donnent à cœur joie. Ils n'oublient pas les fleurs, ces messieurs. Ils ne sont pas dans les nuages. Ils sont gens pratiques. Ils les enlèvent par brassées, en silence. Les jeter à la hâte, par-dessus le mur, dans un tombereau propice, est pour eux l'affaire d'un instant. Deux ou trois des plus égrillards et des plus dégourdis transportent la précieuse cargaison chez des fleuristes amis qui, grâce à leurs doigts de fée, sertissent de mille façons en maints bouquets de corsage et de mains, en roses isolées, même ces mélancoliques dépouilles. Les petites marchandes du soir alors arrivent, nanties chacune de sa corbeille. Elles circulent, disons-nous, aux premières lueurs des réverbères, sur les boulevards, devant les terrasses brillantes et dans les mille endroits de plaisir. Et les jeunes ennuyés, jaloux de se bien faire venir des élégantes pour lesquelles ils conçoivent quelque inclination, achètent ces fleurs à des prix élevés et les offrent à ces dames. Celles-ci, toutes blanches de fard, les acceptent avec un sourire indifférent et les gardent à la main ou les placent au joint de leur corsage. Et les reflets du gaz rendent les visages blafards. En sorte que ces créatures spectres, ainsi parées des fleurs de la mort, portent, sans le savoir, l'emblème de l'amour qu'elles donnent et de celui qu'elles reçoivent. Je vous ai présenté trois contes extraits des Contes cruels d'Auguste Villiers de l'Isle-Adam, parus en 1883. Vous avez entendu successivement l'appareil pour l'analyse chimique du dernier soupir, Vox Populi et Fleurs de ténèbres. Les musiques d'accompagnement étaient d'Arnold Schönberg, Anton Bruckner et Claude Debussy. À ce dernier propos, je tenais absolument à vous faire découvrir et partager une composition musicale
d'une artiste que j'écoute régulièrement, tout d'abord pour son talent et sa virtuosité, mais aussi pour l'ingéniosité dont elle fait preuve dans son travail consciencieux. Il s'agit de Stéphanie Bimon, qui s'est perfectionnée dans de nombreuses disciplines artistiques, art de la parole, chant lyrique, cours d'harmonie du clavier et d'analyse musicale et de musique à l'image. Stéphanie Bimon partage ses activités musicales entre le piano, la composition musicale et la pédagogie. Je vous propose de terminer ce programme avec sa dernière composition toute récente, puisqu'enregistrée le 27 avril dernier, et qui s'intitule « Horizon ». À très vite.